T'as voulu éviter tout ça, tout. Là, en fait, t'as pas pu l'éviter. Et finalement, t'as essayé, mais. Et finalement, bah, c'est pas si terrible que ça. Au contraire même. C'est libérateur, non? Comment? C'est presque libérateur, non? Ouais. Ouais. Il y a un truc là qui est... Le poids qu'il y avait là, il est parti. Je peux respirer. Ouais. Ouais, c'est fou ça. Parce que là, tu vois, c'est hyper... Je ne sais même pas comment expliquer. C'est calmé. Ouais. C'est calmé. C'était agité, c'est calmé. Bah, je sais pas comment dire, mais ouais, c'est bizarre, je m'attendais pas, m'attendais pas à ça. Non. C'est pas important en fait. Mais c'est Ah ouais, formidable mais si, parce que c'est, pour moi, c'est hyper important. J'ai envie de dire, tu m'as libéré. bien sûr. Donc, mais c'est Oh. inestimable. Enfin, c'est plus que tout l'or du monde. Enfin, c'est... Ouais. Merci, Max. Merci. Bah c'est Non, cool. mais Oh. c'est fou. Bah ouais, c'est fou. C'est fini. Fini. C'est même dire que c'est fini, ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment fini parce qu'on se rappelle de... Mais en fait, c'est... Une heure et demie, parce qu'on sait jamais. On sait jamais quoi. On ne sait jamais, avec tout Voilà. ce qu'il y a encore à déblayer, Oh ça là peut là, bah, prendre du temps. bah oui. Bah tu vois, c'est ça l'illusion. C'est ça l'illusion en 2 secondes, quoi. C'est qu'il y a des trucs à Ouais. déblayer, en fait. Ouais, bah ouais, mais ça, c'est entendu. Non. C'est entendu. Bah, Non. c'est pas entendu peut-être, mais j'ai l'impression que c'est Bah, entendu. Tu vois, si c'est en entendu, c'est terminé. apparence. Non, 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 si c'est Ouais, entendu, c'est bah oui. terminé. Tu Alors, vois? ce qui est hallucinant, c'est Dis-moi. pourquoi c'est pas entendu? Parce que mentalement, mais aucun problème, au contraire, tu vois, mais ça me va mais parfaitement. Y a pas de Sandrine, ça se fait tout seul, c'est toujours ça. Ok. Même, tu vois, quand Il n'y je... a pas de résistance mentalement, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Ce... mentalement, il n'y a aucune Ok. résistance. Ok. Mais vraiment, enfin, je veux dire, c'est pour ça que c'est... Je comprends pas. Je veux que tu m'aides à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la résistance? Enfin, c'est bizarre. Y a rien à comprendre. En fait, la résistance, c'est exactement ça. C'est que tu dis, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Rien. Non, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose, d'accord? Que peu importe ce qui se passe, et tu n'as pas le choix là-dessus. Tu n'as pas le contrôle déjà. Ouais, tu dis oui, mais tout ce que tu veux, toi, c'est le comprendre. C'est le... En fait, ce que tu dis, il n'y a pas de résistance mentalement, mais pourquoi? Mais c'est ça la résistance. Pourquoi ça, pourquoi ça n'entend pas? Parce que tu veux entendre quelque chose. Parce que ceci ne te va pas. Or, que ceci t'aille ou non, ça ne change rien. C'est ça, en fait. Et c'est ça, ça c'est flippant parce que tu veux autre chose, absolument. Absolument. Tu vois? Absolument autre chose. Ça peut pas être juste ça, quoi. Ça, c'est une histoire qui est horrible. Pas être juste ça, attends, c'est pas possible. Non, 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 non. Et c'est ça la résistance. Tu voulais savoir c'est quoi la résistance? C'est ça la résistance. Mais ça te fait une belle jambe de comprendre ce qu'est la résistance, tu me suis? Parce qu'au final, ce que tu veux, c'est pas comprendre la résistance. Ce que tu veux, en fait, c'est que ce soit plus là. Et donc, il n'y a pas de solution pour que ce soit plus là. C'est là ou ça l'est pas. En revanche, c'est ce que je viens de dire, être entendu. D'un coup, c'est pas grave. C'est quoi la résistance? En fait, tu sais quoi? On ne sait pas. Personne ne sait. Ça n'existe pas en soi. C'est un autre concept, une autre idée. Il y a une sensation dans le corps et puis pouf,
ça résiste. Mais bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais on y croirait, hein. Ouais. C'est tout, en fait. Tu vois, c'est vraiment tout. C'est ça. Et tu vois, donc, 1 heure et demie avec... Parce qu'il y a tellement de trucs à déblayer. J'entends, hein. On va passer 1 heure et demie à déblayer si tu veux. Si c'est ce que tu veux, c'est ce qu'on va faire, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème, on peut déblayer. Pourquoi pas? C'est ce que tu veux, ma foi. Il n'y a pas de problème. Mais Ouais, c'est parce que ce pas que tu si veux, c'est ce n'est ce pas que tu déblayer, c'est que ce soit plus là. Tu me suis? C'est ça vraiment que tu veux. Ouais. Parce que déblayer, bah, c'est ce que tu sais que c'est ce que tu as essayé de faire toute ta vie. Ouais. Je me souviens la dernière fois où on avait discuté, c'était un groupe de 5, il me semble, et t'étais pas en Ouais. forme, quoi. T'as l'air mieux, en tout cas, t'as l'air mieux. T'as l'air Ouais, vachement. ouais, Ouais. Cool. Cool. ouais. Ouais, bah ouais, parce que tu vois, le moindre événement, bon, ça a toujours été ça, hein, il y a des descentes, ça reste, tu vois, de moins en moins, les Au moindre descentes. événement, tu dis, c'est ça? Au moindre événement, c'est Ouais, ça? moindre événement avec lequel je ne suis pas d'accord, D'accord, je te suis. Ok, dans d'accord. que je ne veux pas, Je mais il y en a toujours eu, hein, j'ai l'impression que depuis que je suis suis pas née, il y contente. a eu. Voilà, pas contente. Et ça, c'est depuis Oui. que, enfin, depuis toujours, en fait. Hein, j'ai l'impression que depuis que je suis née, en fait, depuis que je me suis toujours imaginée que je m'étais trompée de planète, de Ah oui. famille. Enfin, tu vois, que j'étais pas à ma Mais place, qu'il y avait eu erreur sur la En destination. tout cas, d'accord, mais tu vois ce qu'il y a... Alors, merci, excuse-moi, je te coupe, hein, parce que c'est... non pas que je veux être impoli, c'est pas ça, mais c'est juste que... ok, j'entends, mais en tout cas, il y a toujours eu cette idée, du coup, que ce soit de ta faute et que tu Oui. puisses y faire quelque chose, ou que tu devrais, en tout cas, y faire quelque chose. Et ça, c'est moi. C'est forcément moi. C'est forcément moi, Sandrine, Et en fait, ça n'existe pas si tu veux. Enfin, ça n'a pas de corpulence, de consistance, de. Mais c'est comme si à un moment donné, il y a eu ce truc-là. Effectivement, quelque chose qui est ressenti, tu veux pas, ça te va pas, et tu dis depuis toujours, il y a. Parce que c'est plus ou moins ça, du coup, il y a une forme d'insatisfaction, une forme de. Et ça, c'est vraiment, c'est moi qui prends forme. Boum. Et du coup, Sandrine. Ben, je suis cette insatisfaction, je suis ce constat, ce ressenti, cette énergie, appelle ça comme tu veux, tu vois, tout ça de fond qui dit, il y a un truc qui va pas. Alors attention, t'as le droit de pas aimer ta famille, t'as le droit de pas aimer ta planète. Tu vois, je veux dire, droit. Mais tu t'es pas trompé. T'es pas venu ici en mission. Ça, c'est l'imagination du moi. Tu as une mission qui peut faire quelque chose à ce qui se passe. C'est ça la résistance. Donc en fait, tu es la résistance. Donc tu vois, c'est plus papy qui fait la résistance, c'est Sandrine. Non, j'arrête de conneries. Mais tu Mamie vois, c'est Sandrine. Oh, moi cette Mais ouais, tu vois, c'est. Tu es la résistance. Et ça fait flipper. Parce qu'en gros, le problème, c'est toi. Tu vois? Mais vraiment. Et je dis bien volontairement ça en te regardant entre quatre yeux, tu vois, et en disant, toi, pas ça, pas le moi séparé. C'est la même chose, hein, je veux dire, mais je choisis bien les mots volontairement. C'est toi. Je te le dis à toi, avec tout l'amour du monde, tu es le problème. Avec tout l'amour du monde, tu vas disparaître. Avec tout l'amour du monde, en fait, tu n'existes déjà pas. Yeah, il y a quand même c'est moins lourd, tu vois, quand je disais en fait les descentes, elles durent de moins en moins longtemps. Parce qu'il y a moins en moins, enfin, en apparence, hein, peut-être c'est encore des histoires que je me raconte, mais Ah oui, absolument. ouais, oui, de toute façon, ça peut être que ça. Mais voilà, tu vois que
J'y crois de moins en moins quand même. Alors, ça c'est intéressant. J'entends la réalité apparente de ce que tu dis, tu vois. Je veux dire, en tout cas, pour toi, c'est ressenti comme ça. Maintenant, deux secondes. C'est un téléphone. D'accord? Un iPhone en l'occurrence. Tu crois que c'est un iPhone? Ou c'est un téléphone? Après, s'en fout. Ou c'est évident, il n'y a pas la question qui se pose. Oui, c'est évident, il n'y a pas la question qui se pose. Ok. C'est un iPhone. D'accord. Alors, l'histoire du Père Noël. Mais sans déconner, l'histoire du Père Noël. Tu crois pas là? Ben non. Non. Mais Tu crois j'aimerais bien qu'il pas. existe. Mais ça change rien. Ah. J'y crois Si, pas. alors attends deux secondes, si, c'est intéressant. Tu crois pas, mais t'aimerais bien qu'il existe. Et là, tu vois, t'as ton schmilblick là en deux secondes. Vraiment, c'est exactement là. C'est-à-dire que foncièrement, tu crois pas, mais il y a une possibilité, même si elle est infime, 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 qu'il existe. Quand tu dis j'aimerais bien, ce que je vois réellement, c'est pas uniquement j'aimerais bien, c'est que peut-être c'est un peu possible quand même, un tout petit peu. Cette histoire, elle est plus importante, c'est pas grave, il n'existe pas, c'est bon, je vais bien dormir ce soir quand même. Mais, hein, maintenant qu'on en parle, j'aimerais bien quand même qu'il existe. Et donc, en fait, pour toi, c'est possible de croire un peu, beaucoup, passionnément, etc. Pas du tout. Tout ça, c'est possible. Or, ça va? C'est que je tousse en ce moment. Or, réellement, tu crois ou pas? Je n'y crois pas. Bien sûr. Alors moi, j'ai une question. Tu veux quelque chose, sachant très bien que c'est pas possible. Ouais, Le bah problème, ça, Sandrine, il est là. ouais. Non, mais c'est clair. Ça a toujours, enfin, j'ai envie de te dire, ça a toujours été le public. Et du coup, ça, c'est comme si c'était. Ça fait partie, tu vois. C'est systématique. Je sais que ça c'est pas possible. Je sais que ça n'existe pas, mais j'aimerais bien quand même. Parce que bah, peut-être que finalement, on a peut-être le pouvoir d'eux, si on veut vraiment. Ça peut peut-être quand même se créer. Enfin, tu vois, des trucs, des machins, des bidules. Voilà. J'ai toujours rêvé, en fait. Sandrine, J'ai toujours voulu Sandrine, être une princesse, mais. tu te plantes. Je sais. Mais ça me plaît pas d'entendre ça. Je sais, c'est pour ça que je te le dis. Moi, je veux autre chose. Vraiment une princesse. En fait, ça, c'est la princesse, tu vois. La princesse qui. En fait, tu veux être une princesse, bah, du coup, tu agis comme une princesse, en fait, tu vois. C'est que. Ouais. Non. Non, 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 ah Une non, ingrate. je veux mon. Je suis pas en train de t'insulter, hein, c'est pas ça, hein, mais Non, tu vois, mais c'est. je sais que tu m'insultes pas, mais je m'en rends compte. Mais Ouais. je suis une putain d'ingrate. Mais c'est pas ce que je dis. Non, mais c'est ce que je ressens. Mais tu vois, voilà, c'est intéressant, parce que là, on est en train de toucher au cœur de l'histoire de Sandrine, c'est que du coup, je suis une grosse merde. Bon. Je suis vraiment une grosse merde de merde. Moins que rien. Je vaux rien. Toute la haine qui ressort, ingrate. La haine envers ce truc, moi. Du coup, je préfère vivre. Du coup, je préfère vivre dans le monde de la possibilité que ce soit autre chose, parce que ce qu'il y a en dessous. Ouais, et tu vois, au fur et à mesure que je t'écoute, tu vois, toutes les vidéos que j'ai écoutées sur Internet, en fait, je me dis, mais et c'est fou, je sais plus ce que je voulais dire.
Comme quoi, c'est pas si important que ça. Hein. Non. Faut que je C'est par retrouve, faut rapport que à je une retrouve. gratitude, tu vois, où effectivement. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Que je me suis surprise à me dire, putain, mais la vie, elle doit se faire chier dans ce corps. Mais Ouais, mais y a c'est des toujours. corps où elle doit vraiment plus s'éclater, tu vois. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que c'est toujours pareil, c'est toujours moi, ça. C'est sur Oui, moi je qui, sais. c'est moi qui crois en autre chose et qui croit qu'il y a un truc appelé la vie, qui joue vraiment au travers d'un corps, Sandrine, qui joue vraiment au travers d'un corps, Max. Non. Ça n'existe pas. Ça non plus. Ah non. C'est parce qu'on aurait quelque chose, réellement, quelque chose, là, un truc, tu es en train de me parler d'un truc, là. En train de me parler d'un truc qui existe, la vie. Et la vie, alors, c'est quoi déjà? Vas-y. C'est quoi? Mais qu'on soit tous d'accord. Hein, tous d'accord. Et pas uniquement. Et tu pourrais me sortir la définition du dictionnaire. Je te garantis qu'on va être des millions à ne pas être d'accord exactement sur la définition du dictionnaire. Pourtant, on va tous la comprendre et tous arriver à un consensus en se disant, bon, c'est plus ou moins ça, d'accord. Mais pas exactement ça. En fait, on ne sait pas. Le fait est que on ne sait pas. C'est moi qui doute. Moi, ce que je te dis, c'est que ça n'existe pas en tant que chose, en tant que réalité. Il y a toute la vie, d'accord? Tout ce qui se passe, on appelle ça la vie. Mais c'est pas comme s'il y avait un monde, un truc, tu vois, mais il n'y a pas, en fait. Il n'y a juste pas. Donc, en d'autres termes, ma chère Sandrine. Là, tu vois, tu veux croire, et t'as essayé de t'en sortir comme ça en plus. On va pas aller voir ce qu'il y a en dessous. Alors, tiens, je pense à ça, Max. À force de regarder tes vidéos, je me suis surprise. Il y a eu cette pensée-là. C'est pas moi, hein. Ça vient tout seul. J'entends. La vie doit se faire grave chier ou blablabla. Tout ça, c'est l'histoire de Sandrine qui se raconte que Sandrine, c'est une grosse merde. Et j'emploie ces mots volontairement. Et ça, tu vois, ça, je peux pas, j'ai trop de haine, j'ai trop de rancœur, trop de tristesse, trop de lourdeur. Ça, non, non, moi, je préfère voir les paillettes et je vais voir les paillettes ailleurs. Parce que ça, non, je vais pas aller voir ça. En fait, il suffirait de le voir. Le ressentir une fois, vraiment. Je dis pas que ça doit faire mal, ça va sûrement faire un peu mal, mais ouais, juste ça. Et le fait est qu'en fait, tu es en train de le voir, sans rien. En fait, tu peux plus faire autrement. Y a que ça que t'as pas, y a que cet endroit-là que t'es pas encore allé réellement fouiller. Le reste, t'as tout fait, hein. On va inventer des histoires de ceci, de cela, puis ça marche pas, et boum, et tout te renvoie vers ce fondement qui est une histoire, hein, mais t'en fous que c'est une histoire, moi c'est ce que je vis, quoi. Voilà ce que je suis. Je suis nul. Et ce que je vois, du coup, ça vaut rien. Je me suis trompé de planète, je me suis trompé de famille, je me suis trompé d'amis. En fait, c'est simple, je me trompe toujours. Je ne peux rien, je n'arrive à rien. Et ça, je fais tout ce que je peux pour que ce soit autre chose. Moi, je préfère le monde des fantaisies, des princesses. Je ne veux pas ça. Mais c'est la même histoire, en fait. Je ne veux pas ça. C'est vraiment le fondement qui est sous couvert, qui, comment dire, enfin, pas sous couvert, mais qui est, aussi, on pourrait dire ça, mais qui est une couche énorme, en fait, qui est rajoutée, qui est celle. Donc, c'est pas uniquement ça suffit pas, c'est je veux rien. Je vois rien. Bah oui, sans rien. Tu vois rien. Absolument. T'as raison. Dis-tu. Ce moi, ce truc-là, tu vois, ça vaut rien. Mais je te parle pas d'un autre truc, moi. Un truc séparé, auquel je crois ou je ne crois pas. Non, non, je te parle bien à toi. Parce que tu es, là, maintenant, tout de suite, tu es. Le moi séparé. Tu es bien cela?
Tu es bien cette fois. Ce truc qui va pas. N'est que ça. Et tu sais pas si ce que tu ressens là maintenant va rester ou non. Non, non, ça sert à rien. Ça fait peur. Là, t'as peur que ça reste, en fait. Que ce soit ça tout le temps. C'est pour ça qu'on veut, que tu veux l'éviter absolument. Absolument. Parce que si c'est ça tout le temps, bah autant ne plus être là. Alors, ce qui est drôle, c'est que réellement, c'est tout ce que tu veux, effectivement. Ne plus être là. Mais pas la façon où... Non. C'est bien que ça sert à rien, ça. Non, c'est autre chose. N'est comme une lourdeur. De toute façon, je suis lourde. Hein? De toute façon, personne n'y m'aime. J'ai beau faire tout ce que je peux, de toute façon, les gens m'aiment pas. Parce que je vaux rien, parce que j'y arrive pas. C'est fou ça. C'est fou, hein? Ouais. Et c'est souffrant, c'est lourd. Voilà le fond. Ouais. Je suis. Voilà ce que tu es. Voilà. Non, réellement, c'est ce que tu es. Réellement. C'est fou parce C'est que ça. en même temps, tu vois, là, quand tu me dis tout ça, il y a vraiment, c'est pas du tout désagréable. Maintenant, parce que c'est enfin rencontré. Et tu vois, c'est là où je veux en venir quelque part. T'as voulu éviter tout ça, tout. Là, en fait, t'as pas pu l'éviter. Et finalement, t'as essayé, mais. Et finalement, bah, c'est pas si terrible que ça. Au contraire même. C'est libérateur, non? Comment? C'est presque libérateur, non? Ouais. Ouais, hein. Il y a un truc là qui est... Le poids qu'il y avait là, il est parti. Je peux respirer. Ouais. Alors, c'est terminé, Sandrine. C'est plus là. En fait, c'est pas grave. C'est vraiment juste pas grave. C'est pas des belles paroles. C'est vraiment pas important. C'est quoi cette connerie, quoi? Tu vois, en croyant tout ça, c'est dans le corps, tu vois, vraiment, mais en croyant tout ça, on croit forcément à la possibilité d'autre chose. Non, je crois pas au Père Noël, mais j'aimerais bien qu'il soit là. Mais ça, c'est plus là, hein, t'as remarqué? Il n'y a pas la possibilité d'autre chose. En incluant, tu vois ce que je veux dire, en incluant vouloir autre chose. C'est naturel. C'est une forme enfin, d'envie. Le mot, peut-être pas. Il y a un mot en anglais qui est vachement mieux, que je trouve jamais une traduction correcte en français. C'est longing, longing, L-O-N-G-I-N-G. To long for. Je sais pas si tu connais un peu l'anglais. Ça veut dire vraiment. Oui, avoir un désir envers, mais c'est pas dans le sens d'être désireux. C'est juste. C'est quelque chose de. C'est quelque chose de naturel, en fait. Et c'est exactement là où je veux en venir. Oui, c'est le principe même de la vie, c'est que il y a quelque chose, et puis comment dire, il y a sous ça, et c'est ce que c'est. Et il peut y avoir également de, ah bah, okay, j'ai envie d'aller faire un tour à pied. Tu vois, c'est naturel. Mais tout ça, en fait, c'est la danse même de la vie. Qui est toujours pas un truc qui se passe au travers de Sandrine. Tout ça, c'est une histoire pour Sandrine qui est toujours pas là. Je dis ça, je dis rien, mais elle est partie. Hein.
Je t'invite à la chercher d'ailleurs, tu vas voir. En fait, c'est un effort de la chercher, en fait. C'est un non-sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus là. 25 minutes. Il nous reste 1h05. Mais. Ouais. C'est fou, hein? Je t'ai eu. Ouais, c'est dingue. Tu vois, en fait, on veut absolument éviter quelque chose, et en fait, ce qu'on veut éviter, c'est sa propre mort. Mais pour éviter sa propre mort, en fait, on. Pardon, pardon, mais quand on. Enfin, oui, on veut éviter sa propre mort, mais parce que c'est la mort que de voir en fait ce qu'on ressent au plus profond qu'on est. Mais le fait est qu'en fait, quand tu le vois, c'est même pas que tu sais en face de toi, c'est que c'est les choses sont dites, vécues, ressenties, pensées, peu importe, tac, et que il n'y a plus d'échappatoire l'espace d'une seconde, même pas, c'est tout, hein. Mais quand ce moment-là est rencontré, ce qui s'est passé, c'est fini. C'est fini. L'apaisement, Ouais, enfin, et tout ça se entendu. sent physiquement, je le sens. Mais c'est un poids, c'est un truc de fou, hein, mais tu sais, les pensées en soi n'ont pas de poids, tu vois? C'est ça, c'est un truc, enfin, en tout cas, on ne pourrait pas les peser, je vais le dire comme ça. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas à inventer d'outils qui, à ma connaissance, en tout cas, peut-être que je me plante, mais voilà. Et il y a certaines pensées, en fait, qui ont beaucoup plus de. En fait, les pensées, même pas ça, c'est que les pensées ont du poids, en fait. Alors, on sent une lourdeur, tu vois. Non pas qu'une pensée en soi soit problématique, mais beaucoup trop de pensées qui sont, tu vois, dites chargées, ben justement, chargées, tu vois, encore une fois, je sais pas, d'émotions, de négativité, d'histoire, de machin, de l'histoire de moi, j'entends, tu vois, de. Mais forcément, c'est lourd. Et donc, oui, quand c'est vu qu'en fait, c'est rien, parce qu'en fait, c'est rien. En fait, non, c'est pas que c'est rien. Non, c'est pas que c'est rien, c'est qu'à un moment, ça s'en va. Et c'est ce qui s'est passé. Et le truc, en fait, il suffit de le rencontrer. Il suffit de l'entendre. Au risque de me répéter. Et là, c'est entendu. C'est pas entendu avec les oreilles, c'est pas entendu avec la tête, c'est même pas entendu avec le corps. C'est juste entendu. Ouais, c'est fou ça. Parce que là, tu vois, c'est hyper... Je ne sais même pas comment expliquer, c'est calmé. Ouais. C'est calmé. C'était agité, c'est calmé. Bah, ou je sais pas comment dire, mais ouais, c'est bizarre. Je m'attendais pas, à ça. Non. Mais du coup, maintenant, ça Ouais, entend. c'était bizarre. Pardon? Je dis ça me fait bizarre. Oui, ben, je comprends. Il manque quelque chose? Non. Non. Encore rien. Il n'y a jamais rien manqué. Ben non. C'est fou, hein? Dingue, C'est c'est ouf, fou. c'est dingue, hein? C'est dingue. C'est C'est dingue dingue, parce que incroyable. ça dépasse toute attente en fait. C'est-à-dire que Non, c'est. Pardon? mais je trouve ça incroyable quand même. C'est Si incroyable. c'était vraiment rien en fait. Ça s'est joué, comme tu dis, à un quart de seconde. Bien sûr? Et quand ça s'est fait, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est Non, c'est après. quand tu m'as dit ça peut être douloureux, et que là, ben, en fait, non, ça, c'est pas douloureux du tout, au contraire. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait eu quelque chose. Ben, c'est incroyable. Y a une rencontre qui est faite entre le fond du fond du fond du fond de ta peur, tu vois ce que je veux dire? Et ce que tu penses être, qui est la même chose en fait. Et du coup, c'est vu, mais c'est pas vu, encore une fois, c'est pas vu avec la tête, c'est pas vu avec le cœur, c'est pas. Non, non, C'est inexplicablement juste inexplicable. rencontré. Et que je. Oui.
Oui, non mais clairement, clairement, Max, t'as un don. Oui, enfin, je veux bien dire, sûr, c'est... je sais, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Je sais, mais tu vois, c'est phénoménal parce que c'est... Quand je commençais à faire ça, parfois je savais comment faire. Et à partir du moment où tu sais comment faire, ça marche pas. Je sais plus comment faire. Pas moi. Tu vois ce que je veux dire, évidemment. Ça m'a mis un peu de temps avant de, tu vois, de... Alors, je te parle de ça, ça fait des années, hein, mais... Enfin, des années. Non, pas des années. Un an, peut-être, je sais pas. Enfin, en fait, c'est quoi, je m'en rappelle pas, c'est pas important. Mais, juste pour te répondre, oui, j'ai un don, mais j'y suis pour rien. Mais en fait, on peut aussi arrêter la fausse modestie. Oui, j'ai un don. Et tu vois, c'est pas important, en fait. Mais c'est formidable. Ouais, parce que pour moi, c'est hyper important. J'ai envie de dire, tu m'as libéré. Bien sûr. Donc, mais c'est inestimable. Enfin, c'est plus que tout l'or du monde. Enfin, c'est... Ouais. Merci, Max. Oh bah, c'est cool. C'est fou. Bah ouais, c'est fou. C'est fini. Fini. C'est même dire que c'est fini, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment fini parce qu'on se rappelle. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est... Ouais, c'est... Ouais, ouf. Je pense que ce qui manque autour de ça, tu vois, c'est un bon marketing. Tu vois ce que je veux dire? Sans déconner, parce que il y a des millions de gens qui adoreraient ça, en fait. Il y en a, ça leur passe au-dessus, c'est naturel, je veux dire, tu vois, mais il y en a beaucoup qui n'attendent que ça, en fait. Sans savoir réellement, tu vois ce que je veux dire, mais c'est... On n'attend que ça. En fait, c'est même pas vrai, c'est que tout le monde, en fait, tout le monde attend que ça. Tu m'entends là, Sandrine? Oui. Ouais, je t'entends, mais ça, ouais. Ça a coupé, ouais, mais... Niveau d'image, okay. Ça s'accale un petit peu. Ah, c'est bon, ouais. Je t'entends bien. Mais tout le monde attend que ça, effectivement. Et ouais. Ouais, c'est tout, en fait, c'est tout. Tellement de... Mais en fait, moi, je vois autour de moi, toutes les personnes souffrent. Plus ou moins comme ça en apparence, mais elles souffrent. Parce qu'elles sont dans leur... on va dire dans leur délire, mais tu vois, dans leur... Elles sont emprisonnées quelque part dans leur délire. Et c'est vrai que, effectivement, elles auraient cette chance, je veux dire ça, de te connaître et de pouvoir, tu vois, respirer, quoi. Oui, respirer, c'est ça. Respirer, vivre. Simplement, tu vois. Pas de truc lourd là, qui étouffe. Et le pire, tu vois, c'est qu'on se rend lourd du coup avec ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, le corps réagit différemment, quoi. Mais oui, on se rend pas beau dans le sens, alors sans jugement, hein, mais tu sais, dans le sens, vraiment, on se rend ce qu'on n'est pas, en fait. Naturellement, on est plein de vie. Naturellement, on est la vie même, tu vois. Naturellement, le corps est en bonne santé. Naturellement, il y a des corps qui naissent avec des trucs, mais même, c'est ça qui est fort, c'est même les corps qui naissent, je dis n'importe quoi, avec... avec une jambe en plus, ou je dis n'importe quoi, d'accord, moi avec, ou mais des un corps qui naît avec un cœur faible, je sais pas, tu vois, des il s'adaptera quand même, le temps qu'il s'adaptera, tout seul. Et réellement, en fait, je pense que c'est cette pensée même qu'il y ait un problème, que je sois, quoi, au juste, différent, tu vois, parce que ça tient à ça, quoi. Que je sois qui
qui plombe cette vie absolument. Ben, c'est formidable, quoi. C'est ça manque de rien, quoi. Et on se tout on se tu vois, on s'imagine, on ressent, il faut, je sais pas, de tu vois, mal bouffer, boire, les addictions, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, tu vois, et j'en passe, quoi. Sans jugement aucun. Putain, je suis passé par là, moi, le premier, quoi, tu vois. Mon Dieu, je suis passé par là, quoi. C'est juste que j'ai pas un corps qui a tendance à grossir. Tu peux, mais pas, voilà, quoi. Mais je te jure, quand la malbouffe, je connais bien, quoi. Puis c'est bon, ça fait du bien, il me faut ça dans la gorge, il me faut ça dans le goût, parce que c'est parce qu'il y a enfin un plaisir, sinon la vie, c'est de la merde. C'est la folie du truc, quoi. La folie du truc. Et on peut faire ça, en fait, on peut faire ça. Mais, bordel, quoi. Bien sûr que c'est pas ce qu'on veut. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais, parce qu'on se demande comment ça se met, pourquoi ça se met comme ça en place, quoi. Oui, C'est quoi ce mais c'est délire? ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais bon. Ah ouais, dis donc. Merci, Max. Merci. Avec grand plaisir, écoute, c'est marrant, hein, quand t'as dit, quand moi je te charrie, t'arrives et j'ai dit, ah, te revoilà et t'as repris 1 heure et demie. Et tu dis, oh ouais, bah, il y a des trucs à déblayer, quoi. Et direct, je sais pas, c'est. Mais tu vois, pareil, je sais pas à comprendre. Dans ma tête, je fais, non, cette fois, c'est bon. Cette fois, c'est bon et ça va être rapide. Mais sans m'accrocher à ça, tu vois, sans, c'est juste, encore une fois, c'est juste ce qui se passe, ce qui se présente. Tu vois, c'est. Et effectivement, quoi, 20, 25 minutes, c'est torché. Tu vois, j'allais te dire quelque part, en fait, c'est ça qui est formidable. Quelque part, quand le fruit est mûr, le fruit est mûr. Mais l'illusion, c'est qu'elle a besoin de mûrir. Enfin, comment dire, de mûrir aussi longtemps, aussi difficilement, j'entends. Tu vois? Il y a une maturation pour tout, c'est naturel, c'est le process de la vie. Et en fait, c'est ça qui se passe, je pense, tu vois. Tu te dis, mais comment c'est. Non, c'est qu'une explication, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, comment, il y a une forme de. Alors, il y en a qui disent que certains éveillés, machin, je sais pas comment on les appelait, enfin bref, qui te disent que qui n'ont jamais ressenti justement la séparation, c'est possible. Statistiquement, j'imagine qu'effectivement, ça me paraît. C'est comme dire qu'il n'y a pas d'extraterrestres, enfin, dans le sens d'autres formes de vie dans l'univers, je veux dire. Ça me paraît évident que oui, tu vois. Enfin, statistiquement, bon bref, là c'est pareil, quoi. Mais pour la grosse, grosse majorité des gens, je pense en tout cas, c'est pas non. On est comme étant, il y a cette lourdeur qu'on va appeler quelqu'un. Tu vois ce que tu me disais, quoi, depuis toute petite, je suis dans la mauvaise famille, je suis sur la mauvaise planète. Mais. Et on s'attache à ça. Il y a comme comme une maturation petit à petit qui se fait. Tu vois, la vie qui. Et il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, comment, c'est fini. En fait, ça prend la maturation que ça prend, le temps que ça prend, la forme que ça prend, ceci. Et puis, à un moment. Ouais, comme si ça se densifiait, que ça se comment on dit, se densifiait, et le contraire. Se Tu vois, ça se densifier. Ouais, je vois. Je sais pas. désantifiait, Ouais, pour densifier, ça se désantifie. Dédensifie, c'est ça, dédensifie. Vas-y. Dédensifie, ça se dédensifie. Que Dédensifier. densifier et dédensifier. En fait, c'est Voilà. tout con, je pense. Ouais. Ouais, le truc est bon. Et voilà. Ah, tu vois, Ouais. ça fait ça. Ça s'alourdit, ça s'allège. Oui, mais c'est Ouais. ça, c'est exactement ça, c'est fou, Ouais. hein. C'est tout con. Ah, c'est tout con. C'est tout con. Voilà. Bon, Ouais. génial.
Ouais, parce que tu vois, l'allègement, il a toujours été recherché avec, avec la tête. C'est ça en fait. Ouais, Avec, c'est ça. tu vois, à vouloir alléger la personne, Sandrine, alléger Sandrine. C'est ça. Et plus ça voulait alléger Sandrine, et plus Sandrine s'alourdissait. Ah oui. C'est Mais c'est ça. ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est fou, hein. C'est dingue. C'est dingue. C'était En pas fait, il dans le suffit. En fait, bon mot. il suffit juste. Il suffit juste de rencontrer ce qu'on veut pas. C'est con, hein. Mais c'est vraiment ça. Mais en fait, mais oui, c'est terrorisant. Terrorisant jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière pensée par rapport à ça, si je puis dire, ça va être terrorisant. Parce que c'est le truc. Non, 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 tu peux pas. Tu peux pas. Ah, mais je l'ai déjà vu. Non, 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 non. Non, non. Si c'est là, c'est que ça n'a pas été vu. Pas réellement. Ça a été pensé, ça a été analysé, ça a été. Ouh là là! Je sais comment l'éviter. En même temps, je sais plus comment l'éviter. Tu vois, l'éviter. Je. Voilà, j'ai fait des exercices corporels. J'ai dit oui, d'accord, tout ce que tu veux, mais oui, mais je sais que c'est là. Ben, c'est ça le problème en fait. Va voir, en fait. Et en fait, oui, c'est là tant que tu penses que c'est là, et puis arrive ce clac. Et ben non. Enfin, c'est fini. Et je pense qu'au final, toi, la façon dont ça se manifestait, je pense en tout cas, dont ça s'est manifesté là maintenant, c'est que justement, Sandrine avait peur, terrorisée, de souffrir vraiment. Et quand je t'ai dit, ça va peut-être être souffrant, machin, etc., parce que en fait, tu étais en plein dedans, effectivement, et puis, ben non. Alors. C'est dingue, c'est dingue. Ben non. Ouais, mais par contre, si tu restes, le truc juste avant, mais c'est horrible. Parce que là, tu souffres en fait, hein, vraiment. Hein. Et Et on ouais, reste moi, et ça reste là-dedans. Jusqu'au moment où en fait, c'est là où tu as passé toute ta vie. Alors, pas forcément ouais. aussi loin, tu vois, mais avec Non, ce ça fond-là, c'est c'est. ça quoi, ce Ouais. fond-là. Ouais. Ouais. Et là, tu vois, ça poussait. Là, il fallait y aller. Là. Enfin, tu vois, le rendez-vous avec Max, les rendez-vous. Il fallait, ouais. Ouais, parce qu'on en a fait plusieurs, mine de rien. Et tu vois, moi, c'est un truc, c'est marrant, c'est un truc au début. Au début, je voulais vraiment. J'étais vraiment pas fan de la personne qui revenait. Alors, jamais j'aurais refusé quelqu'un. Mais c'est vraiment pas un truc que je mettais en avant volontairement. Parce que c'est fini, c'est fini. C'est tout, quoi. Mais le fait est que, du coup, après, petit à petit, en fait, je me suis rendu. Bah, déjà, j'ai des personnes qui sont revenues, de toute façon, quoi. Même sans moi mettre le truc en avant, parce qu'ils me disent, Max, je peux reprendre un rendez-vous avec toi. Et après, j'allais pas refuser, tu vois. Donc, bon, OK. Et dont tu fais partie, t'es pas la seule. Hein. Et y en a, je me suis aperçu, tiens, une seconde fois, ça, là, c'est bon. Bon, y en a, je me suis malheureusement aperçu, une seconde fois, je fais, putain, merde, toujours pas. Ou, tu sens que ça a fait du bien quelque part, mais ça a fait du bien toujours à quelqu'un, quoi. Et du coup, tu sais que ça. Enfin, tu sais, il y a un moment, ça va revenir. Et en fait, ça revient déjà. Bon, bref, peu importe. Et donc, mais au final, que ce soit un, deux, trois, mais ça finit toujours par le faire. C'est ouf. Il Et suffit d'entendre. Ouais. la première fois, quand j'ai pris rendez-vous, j'ai été persuadée, tu vois, 2, 3 jours avant, je dis, oh, mais en fait, pourquoi j'ai pris rendez-vous? Parce que c'est bon, là. Ouais, J'ai je pas vois. besoin, en fait. J'ai pas besoin. Et c'est fou comment ça se. Mais Enfin, tu vois, quand tu ça c'est là parce dis. que oui, on s'en persuade. Hein. Parce qu'il y a un moment où ça va bien, en fait. Et du coup, et en fait, il y a cette pensée que j'en ai pas. Alors attention, ça peut être vrai, mais non, en fait, non, j'en ai pas besoin. C'est bien qu'il y a toujours quelqu'un. S'il n'y a pas la pensée, il n'y a vraiment plus la question, plus jamais. C'est pas. Et que si tu l'entends, ça te fait. Enfin, si quelqu'un te dit ça, je sais pas, ça te ferait rire à la limite, tu vois. Là, c'est bon. Mais justement, t'as pas besoin. Enfin, il n'y a plus de besoin, en fait. Et s'il y a quand même la pensée, aussi légère soit-elle, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Ben, en fait, si.
Et ça peut faire mal de se le voir derrière, mais ça se passe comme ça. Et puis quand c'est fini, c'est fini. Bah après, d'un seul coup, les mots n'ont plus d'importance, tu vois. Ouais. D'un seul coup, le... C'est clair. Ouais, c'est clair. C'est clair, ouais. C'est ça, c'est la lourdeur qui parle de voile. Bah ouais, ça modifie en fait la vision. Enfin, Ah ouais, du coup, complètement. ça déforme. Ça déforme tout. Et c'est un truc de ouf, hein, parce que... Ouais, tout. Absolument tout. Putain, c'est fou. Et c'est fou, parce que... C'est ça, il y a des trucs qui peuvent rester, quoi, tu vois. Jusqu'à la dernière seconde. De toute façon, ça restera jusqu'à la dernière seconde. C'est ça qui est terrible, quoi, tu vois. Et jusque... Forcément, tu vois. C'est tellement bête, ce que je dis. Ça restera jusqu'à la dernière seconde. Évidemment! Je veux dire, ça peut être autrement. C'est des lourdeurs. En fait, il n'y a simplement pas besoin de souffrir. À qui veut Clairement. l'entendre, c'est ça. D'où ma vidéo hier, j'ai appelé Tout va bien, mais personne n'en veut. Personne n'en Ouais, veut. parce que On veut pas de j'ai ça. Hein. regardé. T'as regardé? Hein. Ouais, j'ai regardé et quand Isabelle dit qu'en fait elle avait l'impression quand il y avait cette quand elle admettait en fait que tout allait bien, qu'elle était folle par rapport aux autres, puisque personne n'admet ça. Personne n'admet que tout va bien. Effectivement, du coup, on peut effectivement se sentir à part. C'est clair, hein. Ouais. Je trouve magnifique son histoire, quoi. Ouais, C'est clair. ouf. Tu vois, se dire du coup, ouais, il faut que je sois comme les autres. Mais moi, on est tous pareils, plus ou moins, tu vois, c'est on voit les autres et puis il y a un effet de. Un peu de copier, tu vois, naturellement. C'est un effet un peu miroir qu'on prend pour soi et c'est pas volontaire, tu vois. C'est bon, le truc qui peut être conscient après, je dis pas, mais la plupart ne l'est pas. Je veux dire, c'est le processus même de l'identification, la fameuse, quoi, la création du moi qui voit autre chose et tac. Et ah oui, d'accord, ça c'est moi, je suis comme ça je suis. Et en fait, non. Non, c'est complètement. En fait, on est tous heureux. Mais c'est au-delà du bien. Bon, je sais que tu entends ce que je veux dire, mais c'est au-delà de la considération de ce que ça veut dire. En fait, c'est juste un mot, mais Au-delà des concepts, au-delà au-delà des, de... au-delà du concept d'être heureux, c'est ça. Ou malheureux. Bien ou mal, c'est complètement. Ça n'a rien à voir. C'est juste pas. Ces trucs-là n'ont vraiment aucune importance, quoi. Tout ça, c'est la densification, justement. Tu vois, le truc dense, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui crée Ouais. forcément une forme de jugement, une forme de lourdeur, encore une fois, quoi. Ouais. Quand c'est comparé, quand c'est rangé dans des cases, quand c'est étiqueté, tout ça c'est lourd. Tout ça c'est lourd. Ouais. À côté, toujours voir l'herbe plus verte chez les autres. C'est exactement ça. Et le pire, c'est que quelque part, on le sait très bien. C'est pas comme si tu avais appris quelque chose, là, tu vois ce que je veux dire? Non, quoi. Ah ouais, C'est. on le On sait sait. depuis On toujours. sait depuis. Ah bah Ouais, c'est juste ce truc lourd là qui s'est rajouté et ouais. qui, du coup, ça fait comme si ça mettait des œillères, tu vois. Ça empêche, enfin ouais, ça assombrit, ça limite. Après, quand c'est plus... Enfin, là, tu vois, Ça tu sens que c'est... densifie, ça alourdit. Dis-moi, ouais. Ça alourdit, ça alourdit. Ouais. Là, tu sens que quoi, tu dis, pardon? Là, c'est léger.
Ah Et que, c'est, que tu vois que c'est, ça s'est ouvert. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ah, je Donc, vois, c'est ça. il n'y a plus les œillères. Il n'y a plus d'ailleurs, ouais. Il n'y a plus d'entonnoir, il n'y a plus de loupe, il n'y a plus Ouais, le truc d'inspectrice d'ailleurs, tu vois. est Il n'y a réduit. plus d'enquêteuse qui est là. Ouais. Il n'y a plus de policière, tu vois, de trucs Ouais. qui a gardé toutes les pensées, à faire attention à ce que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et c'est une vraie libération. C'est une vraie libération. C'est juste que c'est pas ce qu'on imagine que c'était, en fait. Non. Parce que ce qu'on imagine ce que c'est uniquement ce qu'on imagine ce que c'est. Et on imagine Ouais. que c'est ça qu'on veut. Alors, or tout ça, c'est l'imagination de la densification de ce que ce serait. Parce que du coup, il faudrait que ce soit quelque chose que je n'atteins absolument en grand jamais, jamais, puisque c'est toujours forcément ce que j'imagine. Et le fait même que je recherche, c'est l'imagination, en fait, que je suis en train de rechercher quelque chose qui est du coup la densification qui est vécue, qu'il y a un truc qui ne va pas, un truc à enlever, une libération à trouver, qui est complètement illusoire. C'est tout. C'est entendu quand c'est entendu, mais réellement, c'est entendu depuis le départ. Pas possible autrement. Ouais, c'est fou. Oh, C'est si j'adore, peu, il c'est... n'y a plus rien, quoi. J'adore, c'est net ce Ah que dedans, c'est oh, bah ouais, ben ouais, parce que j'adore. c'est vrai que c'est à la fois c'est énorme, mais à la fois c'est rien. Mais Vois? oui. Et c'est pour ça qu'on n'en veut pas. Rien. Non, 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 moi je veux pas rien. C'est la dernière chose qu'on veut, rien. On veut quelque chose, tu vois, forcément. C'est de la Là folie furieuse, quoi. Folie furieuse, on ouais, c'est veut de la quelque chose. folie. Mais bah vas-y, d'accord, ça vient. Si tu veux. Et comment expliquer ça aux J'explique autres? pas. Ah bah comme je le fais. Ah. Voilà. Il y a pas, y a, en fait, alors, il n'y a pas de commence, en fait. Ça s'explique ou ça s'explique pas, ça se fait pas. Moi, ici, il y a toujours eu un appel énorme, quoi. Tu vois, c'est clair, quoi. Après, mais ça aussi, au début, au début, tu vois, c'était encore un truc dense qui est resté, qui est parti petit à petit, tu vois. C'est juste que ce qui se fait. Tu vois, j'attache plus vraiment d'importance à ça. Parce que c'est pas quelque chose que je fais, que je détiens. Donc oui, c'est un don. Indéniablement, c'est un don extraordinaire. Extraordinaire. Mais c'est juste la vie qui fait son truc. C'est tellement C'est pas beau. spécial. C'est pas, c'est extraordinaire et c'est ordinaire, en fait. C'est pas quelque chose que je détiens. Et Ouais, donc, mais si c'est jamais beau. toi un jour tu vas, ah oui, c'est magnifique, c'était splendide. Mais si un jour toi tu vas partager d'une manière ou d'une autre, tu le feras d'une façon naturellement. Tu sais ce que je veux dire? C'est pas un truc que tu vas forcer. Tant que tu forceras, si jamais, en fait, c'est même pas. En fait, tu sais quoi? Tu vas pas forcer. C'est pas vrai. Ça se fait ou ça se fait pas, tu vois? Mais si ça se fait, ce sera forcément à la sauce Sandrine, si je peux dire, et ce sera forcément parfaitement ce que c'est. Il n'y a pas d'idée de comparaison. Max, c'est mieux, c'est pire, c'est. Max, c'est très particulier dans le sens où je pense, il y a un réel besoin, en fait, de ça, en fait, aujourd'hui. Il y a un besoin d'aller au cœur du truc, quoi, tu vois. Mais ça peut être des poèmes, ça peut être rien du tout, ça peut être une photo, tout est ça. En fait, il n'y a rien à partager. C'est ça qui est formidable. En tout cas, N'y a je pas te de problème. remercie beaucoup, Max. Beaucoup.